Allez, c'est parti pour le 5 mars 2019. Pour l'instant, je suis la seule levée parce qu'il est encore tôt. Je me suis levée naturellement un petit peu plus tôt. Voilà, donc là, Nan n'est pas encore là. Je l'ai jusqu'à 7h pour se réveiller. D'habitude, je la réveille à 7h. Donc là, je vais prendre mon petit déjeuner tranquillement en regardant un petit épisode. Voilà. Alors, voici la lunchbox du jour. Bon, couvert, serviette. Ça, c'est la même que ce qu'on a mangé hier soir qu'elle a adoré. Des olives, bananes, fraises. Dedans, là, il y a les pâtes alphabet, c'est la fin, avec une knacky, là, une saucisse knacky. Ah, mon téléphone sonne, mais ça a coupé, ça doit être une erreur. Une crêpe au chocolat et la gourde d'eau. Et voilà. Et je vais tout mettre là-dedans pour être prêt à partir. Et voici pour la tenue du jour, donc ce petit pantalon bleu marine qui vient de chez Okaidi. Je pense que c'est Alexandra qui avait dû nous l'offrir. Désolée, hein, j'ai encore le tatouage sur la main, mais j'ai beau me laver les mains, ça part pas. Et ce t-shirt tout simple à manches longues que j'avais acheté chez Carter's. Voilà, alors vous remarquerez que je l'habille toujours en pantalon, t-shirt à l'école. Franchement, c'est les robes et tout ça, c'est rare que j'en mette parce que déjà, c'est pas forcément le plus confortable. Et puis, si elle tombe et tout, je veux dire, un pantalon la protège bien mieux quand même qu'un collant ou qu'un legging. Donc... c'est assez rare que je lui mette autre chose qu'un pantalon t-shirt. Je m'amuse plus avec elle à l'habiller le week-end avec des collants, des shorts, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que la semaine, je suis assez simple parce que le but de l'école, c'est surtout d'apprendre et d'être confortable dans ses vêtements et pas forcément d'être jolie, quoi. Hein? Même si elle sera très jolie avec ça, hein, attention. Voilà, hop. Et sinon, si vous n'avez pas de bout de poulet, un petit bout de vache qui rit pour donner deux cachetons pour un chien. C'est son médicament, chérie. Donne-lui. Voilà, médicament pris. Mon bébé. Bon bah voilà. Il pleut. On en aura le bol. Apparemment demain aussi. Puis des jours dans la semaine. Mais nous qui pleuve ou qui vente ou quoi, on va à l'école à pied. Quand il pleut vraiment très fort ou qu'il y a vraiment beaucoup de vent, non. Mais depuis le début de l'année scolaire, il n'y a qu'une fois où on n'est pas allé à pied. Tu te rappelles, la dernière fois, il y avait de la pluie et beaucoup de vent, du coup, on était allé en voiture. Mais sinon, dans tous les cas, on y va à pied. Moi, j'ai besoin de marcher. Elle aussi, parce que du coup, en plus, elle n'a pas de récréation, elle n'a pas de déjeuner dehors. Donc, on pète tous un câble, sinon. Donc, bref, on y va à pied. On a besoin de conduire doucement, pas vrai ? Oui. Parce que ça peut être très dangereux. Donc, voilà, hein, botte de pluie. Ah, hein. La voiture bleue, la voiture ouais. Rouge. Oui, elle est rouge, celle-là. C'est nos mouettes du matin. J'adore. Ils nous suivent jusqu'à l'école. Ils nous suivent jusqu'à l'école. Je vais essayer de mettre mes lunettes droites, sinon on va encore me dire qu'elles sont toutes tordues. Voilà. Alors, bonjour à tous, c'est parti pour ce nouveau CaliVlog. Aujourd'hui, nous sommes mardi 5 mars 2019. Il est actuellement... Tu sais, la montre qui est censée te dire l'heure quand tu fais ça, mais... Voilà. 9h22 du matin. Alors, j'ai posé Lana à l'école. Je voulais soit aller marcher, soit m'occuper de mon jardin ce matin. Et en fait, il pleut. J'en ai ras-le-bol, mais bon, ça fait 10 fois que je vous le dis, donc j'ai arrêté de dire, mais j'en ai vraiment ras-le-bol de cette météo. Je ne suis pas habituée. Je suis très mal habituée en Californie. Bref, du coup, ce matin... j'ai une copine qui va venir, j'ai Lucie qui va venir me voir un peu et puis je vais ranger cette maison qui ressemble à rien. Il y a du bazar un peu partout donc je vais faire ça. Voilà, j'étais au téléphone avec ma famille, enfin bref, voilà, plein de trucs comme ça que je dois faire. Il faut aussi que je me pose sur mes emails à un moment donné parce que je suis complètement à l'arrache au niveau de mes emails. Et il faut que je prépare parce que demain mercredi je donne un cours d'art à l'école de Lana, donc ça je vous en avais déjà parlé. En fait, je dans la classe de Lana, je le faisais déjà l'année dernière, je donne des cours d'art de temps en temps. C'est pas moi qui fais les cours, c'est une association qui s'appelle Art in Action et en fait qui met à disposition des cours d'art sur un tableau, sur un peintre. Je vous en parlerai un peu plus tard, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Mais en gros, c'est des cours d'une heure et moi, je à partir d'un tableau connu, j'explique un concept aux enfants et après, ils doivent pas reproduire le tableau, mais s'inspirer d'une notion du tableau pour faire leur propre création.
Voilà, donc là il faut que je lise celui de demain. En fait, il y a un an, quand j'ai commencé à faire ça, j'étais tellement en panique que j'apprenais les leçons une semaine avant. Et là, un an après, genre c'est demain matin, no stress, j'ai rien préparé, je vais faire ça aujourd'hui. Je me suis complètement déstressée de la chose, hein. Mais bon, en même temps, voilà, maintenant je connais bien les enfants, je commence à bien connaître comment ça fonctionne, je connais super bien la maîtresse. Donc voilà, j'y vais un peu plus détente, mais c'est vrai qu'il y a un an, je dormais pas la nuit. Enfin, c'était une catastrophe, tellement je stressais. Bref, donc voilà. Et puis, pour vous donner des nouvelles de Buddy, elle n'est pas allée aux toilettes depuis qu'elle a mangé hier soir. Même pas, rien, elle n'est pas sortie dehors. Donc, j'arrête pas de lui proposer, elle veut pas. Donc, je pense que c'est plutôt bon signe, ça veut dire que la diarrhée, elle est finie. Elle n'a pas vomi alors qu'elle a beaucoup mangé hier, du coup, elle a mangé toute sa gamelle alors que ça faisait plusieurs jours qu'elle avait rien mangé. Et elle m'a pas réveillée cette nuit pour aller dehors. Donc je pense que la diarrhée est finie, mais bon, j'attends quand même, je vais la suivre quand elle va aller dehors pour voir, hein, pour voir si tout va bien. Elle a bien pris ses médocs avec la vache qui rit. C'est vraiment, en fait, hier je lui ai donné le poulet, mais c'est toujours ce que je fais, c'est en fait je prends une moitié de vache qui rit et c'est comme ça que je fonctionne avec elle parce qu'elle adore ça et je suis sûre qu'elle mange son médoc super efficacement quoi. Donc voilà, je vous ai publié évidemment le vlog d'hier tout à l'heure. Je modère au fur et à mesure les commentaires et voilà. Donc là je vais vous laisser, je vais ranger cette maison qui est complètement pagaille. Je vais faire mon linge parce que j'ai pas fait ce week-end du tout, donc je suis complètement à l'arrache. Et je vais mettre Peter l'aspirateur en route aussi, comme ça il va bosser un peu. J'ai pas envie de faire le sol et tout ça parce qu'il n'a pas l'air trop sale. Mais voilà, je vais faire tourner Peter quand même, comme ça il bosse pour moi. Bien que c'est un avantage d'avoir un robot aspirateur. Et donc voilà, je vous retrouve un petit peu plus tard. Bon alors, donc ça c'est mes tulipes qui sont mortes et ça c'est ma jacinthe. C'est comme ça qu'on appelle ça, qui est morte aussi. Donc quand même c'est des fleurs à bulbes, je vais les replanter là. Donc ça c'est des tulipes que j'avais plantées. Il y a quelques années de ça et je suis contente parce que j'ai celle-ci qui sort, donc je vais bientôt les cueillir aussi. J'attends qu'il y en ait un petit peu plus. Bon, les jonquilles par contre, c'est fini. En même temps, je les avais toutes cueillies. Il reste plus que celle-là, mais qui est un petit peu rasqueuse, donc non. Donc voilà, je vais faire un peu ça pendant qu'il pleut pas là. Comme ça, l'année prochaine, elles repousseront et j'aurai des jolies tulipes et jacinthes. J'ai toujours mes mouettes. C'est énorme. Et voilà, dans un an, ça sera trop joli. Une bonne chose de faite. Alors, ma copine Lucie vient de partir. Et du coup, je me suis fait mon déj. Donc, du riz minute. Là, vous savez, vous en ai déjà parlé plein, plein de fois. Et du saumon frais qu'il y avait dans les courses que vous avez pu voir avant-hier dans le vlog de Walmart. Donc voilà, je vais me faire un gros sashimi de saumon. Comme au Jap, mais version maison. J'espère que le saumon est aussi bon. Et je finirai par quelques fraises. Voilà, bon appétit à moi. Et ce petit chien est toujours pas sorti. Je sais pas comment elle fait. Didi. Le vétérinaire, il est gentil, m'a passé un coup de fil pour savoir comment elle allait. Donc je lui dis que tout allait bien. On attendait juste qu'elle retourne aux toilettes. Mon amour, bébé. Juste pour info, sur mon profil Instagram Nicila, je viens de publier une version longue de notre danse sur Baby Shark parce que sur YouTube ça bloque si tu mets une vidéo avec une musique commerciale de plus de 30 secondes. Donc voilà, si vous voulez voir la version longue de notre danse sur Baby Shark, ça se passe sur Instagram. Et désolée de vous l'avoir remis dans la tête. Sorry. Alors il est 14h10 et donc je viens d'aller chercher Lana à l'école et en fait en venant j'ai reçu un colis que j'attendais. Alors en fait mon copain Christophe, je dis bonjour, oui vous l'avez vu ce matin vite fait. Fatigué? Non? Bref, mon copain Christophe d'ici, c'est le mari de ma copine Amandine en fait que vous avez vu dans un vlog récemment, je ne sais plus lequel. Qui fait du crossfit, en fait, il adore la marque Uglow. C'est une marque de vêtements de sport. Alors dites-moi si vous connaissez, moi avant lui, je ne connaissais pas du tout. Il connaît la marque Uglow. D'ailleurs, je vous mets son Instagram à Christophe ici. Et si vous pouvez aller lui pourrir son Instagram à chaque fois qu'il y a une photo où on voit ses abdos, de mettre un petit emoji, tablette de chocolat. Voilà.
C'est juste pour l'embêter un petit peu. Bref. Donc il aimait tout le temps des vêtements Uglow sur lui pour faire son crossfit. Et en fait, moi du coup, comme je recherche des vêtements de sport à ma taille, parce que tout ce que je mettais avant, forcément je rentre plus dedans, je lui ai dit, ça m'intéresse et tout ça. Donc en fait, j'ai demandé si je pouvais recevoir de la part de la marque des vêtements pour tester. Donc c'est ce que j'ai reçu. Donc je suis trop contente, en plus ça tombe bien parce qu'on est mardi. Et mardi c'est le soir où je vais au YouJam. Donc en fait je vais clairement pouvoir tester ça directement ce soir au YouJam. Alors j'ai reçu 4 choses, aussi une tenue complète en fait. Tout d'abord il y a ça. Ça c'est cool et ça je vais le mettre au YouJam. Parce qu'en fait j'ai une petite serviette mais je vais tout le temps faire les pas du coup autour de moi. Donc je dois aller contre le mur chercher ma serviette, m'essuyer et revenir. Et du coup avec ça, vous savez, c'est les petits bracelets pour la transpiration. Je vais pouvoir, je vais le mettre au poignet. Donc en fait, je vais m'essuyer directement. Donc j'en avais un avant du vieil Pirou, mais il est tout pourri. Et là, il est bien éponge. Donc je pense qu'il absorbe bien. Donc voilà, je vais mettre ça là tranquillement et je pourrai m'essuyer ma sueur. Ensuite, je garde le meilleur pour la fin. Oui. Ensuite, j'ai reçu ça. Ah ouais, elles sont trop belles. Ce sont des chaussettes. Voilà, Uglow, c'est cette marque-là. Je pense pas que vous puissiez les trouver actuellement dans des magasins. Alors peut-être que je dis n'importe quoi, mais en tout cas je vous mets leur site un code promo de 30% quand même, avec Nicila Uglow 30 avec des underscores entre les mots, mais de toute façon je vous l'écris dans la barre d'infos, qui vous offre quand même 30, c'est rare hein, d'offrir des codes promo de 30% de réduction. Donc faut pas hésiter si vous voulez tester. Donc voici les chaussettes qui sont ma foi hyper techniques. Et moi je suis contente parce que du coup c'est des chaussettes basses. Et moi j'ai que des chaussettes, vous savez, les colorées là, qui montent. Alors du coup avec mes chaussures de YouJam, comme j'aime bien mettre des pantalons 3/4, c'est vrai que c'est moche. Donc avec ça en plus, je vais être toute assortie hein. Évidemment j'ai tout pris assortie. Ensuite, est-ce que je joue d'abord le haut ou le pantalon? Ah d'abord le haut, le pantalon il a l'air trop beau. Ensuite, en plus j'adore les couleurs. En plus, voilà, vous savez que je me resserre de ce genre de sac pour mes tenues de voyage. Oh là là, c'est tout léger. Oh, énorme. Donc ça, c'est un débardeur. Trop beau. Donc, voici le débardeur. Alors, j'ai pris M, mais je pense que je vais l'essayer. De toute façon, je vais vous montrer. Je voulais pas que ce soit moulant, mais je pense qu'en fait, peut-être que le S me serait allé. Et en fait, vous remarquerez que l'un des concepts de cette marque, c'est que vous voyez les coutures, comment elles sont discrètes. Vous voyez, les rebords là, je sais plus comment on appelle ça, les coutures, oui. Donc voilà, et en fait le truc est trop beau, c'est déjà voilà les petites touches de rose fluo. Et derrière, regardez-moi ce dos. Non mais sublime. Je sais pas si vous voyez, mais c'est des petits triangles transparents. Magnifique. Oh, j'ai trop hâte de l'essayer. Donc moi j'ai pris du M, ça je vous l'ai déjà dit. Et donc voilà, lavage à la main recommandé, parce que je pense que c'est clairement des produits... de qualité, donc il vaut mieux en prendre soin. Donc voilà, et avec le petit pantalon 3/4, c'est ce que je préfère moi pour faire le YouJam, mais j'en ai pas beaucoup, je crois que j'en ai qu'un seul, donc j'ai un peu du mal à faire le roulement. Oh, j'adore leur couture quoi, et en plus c'est hyper fin, c'est hyper léger. Oh là là, il est trop beau. Alors voilà, donc c'est un pantalon 3/4. Il est sublimissime, donc je vais l'essayer de ce pas, comme ça je vais vous montrer porter quand même, c'est mieux. Regardez comme c'est beau. Et regardez la tranche là. Oh, je suis trop contente. Une vraie tenue de sport enfin. Regardez. Magnifique. Oh, je vais essayer. Je vais essayer tout de suite, je vous montre. Alors voilà ce que ça donne. C'est trop beau. Je sais pas si vous voyez tout, j'ai les chaussettes aussi. Ah. Moi j'ai pas du tout les sous-vêtements à sortir. Hein. J'ai mes sous-vêtements normaux, j'ai pas mes sous-vêtements de sport. Et le détail qui tue tout, en fait là, vous voyez là, le petit rond, c'est un magnet. Ce qui fait que là, vous pouvez glisser vos clés quand vous allez courir. Glissez vos clés et c'est aimanté, donc ça peut pas... Là, c'est aimanté aussi des deux côtés. C'est aimanté des deux côtés, du coup, vous pouvez pas perdre vos clés. Eh, ils ont pensé à tout chez Uglow. Hein. Et en fait, il y a aussi une poche là. Alors, pas de ce côté. Là, il y a rien. Par contre, là, oui, et c'est pareil. Il y a le petit magnet. C'est génial. Et encore une fois, la couture est très fine. Et du coup, on peut éventuellement rentrer le téléphone. Alors, d'ailleurs, vous êtes souvent nombreux à me demander qu'est-ce que j'ai comme téléphone. J'ai un OnePlus 5T. Je crois que maintenant, il y a le 6T qui est sorti. Et bref, et Sanko qui rentre. Voilà. Donc en fait, tu peux courir
avec ton téléphone au lieu de l'avoir. Moi, vous savez, j'ai le truc sur le bras pour tenir. Ben là, j'ai plus besoin. Je peux courir avec mon téléphone. Trop chouette. Alors, je vous retrouve un petit peu plus tard. Il est 17h20 et on va se poser pour faire les devoirs. Alors, du coup, je vais vous faire un petit topo sur les devoirs. Déjà, il faut savoir qu'ils sont facultatifs. Lana est en kindergarten, équivalent dernière année de maternelle en France. Bon, tout ça, je vous l'ai déjà expliqué un milliard de fois, les niveaux, tout ça. Si vous n'étiez pas là, je vous mets une vidéo ici complète qui vous explique tout ça. Donc voilà, elle est en kindergarten, équivalent dernière année de maternelle en France. Et donc du coup, pour ce niveau-là, je pense qu'il y a de fortes chances qu'à partir de l'année prochaine, donc le CP, le first, ce soit plus exigeant. Mais en tout cas, pour le moment, c'est facultatif, mais fortement conseillé. En gros, tu as une petite pression qui te dit, fais faire les devoirs à ta fille. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc il faut savoir qu'en fait, on a un menu de devoirs par mois. Donc en fait, on a tout le mois pour le faire et on doit rendre à la fin du mois. Alors, je peux pas vous le montrer parce que la maîtresse, là encore, mais en fait, elle écrit. Alors, il y a des choses qu'il faut qu'elle écrive. Il y a des choses qu'il faut pas qu'elle écrive, mais que si on écrit, c'est mieux. Donc moi, généralement, j'essaie de la faire écrire le plus possible. Donc il y a des choses, par exemple, il y a raconte l'histoire de, c'est des histoires qu'il voit en classe. Moi, je lui demande de me le raconter, je l'écris sur un papier et après, elle recopie dans le cahier. Je vous montrerai dès que j'ai reçu le cahier. La maîtresse est en train de le corriger, en fait. C'est pour ça que je ne l'ai pas actuellement, parce que bah, le mois de février vient de se terminer. Et bref. Donc voilà, si on écrit le strict minimum du menu, ça fait pas beaucoup. Donc moi, je sais que c'est bien qu'elle pratique l'écriture. Donc du coup, j'essaie de lui faire écrire le plus possible. Donc voilà, sachant que c'est des devoirs très fun. Vous allez voir, c'est pas du tout les devoirs comme on a l'image des trucs chiants et machin. C'est vraiment très fun. De toute façon, en manière générale, l'éducation à l'américaine scolaire est très fun. Vous avez vu la dernière fois, je vous ai montré comment elle avait appris les voyelles en chanson. Donc voilà, ils essayent de rendre ça de façon la plus ludique possible, ben, pour que ce soit le plus efficace, que les enfants retiennent mieux et qu'ils aiment apprendre. Donc voilà, je vais vous montrer. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser à traduire. Sinon, ce que je vais faire, c'est que là, en fait, généralement, donc le lundi, on n'en fait pas parce qu'elle a gym. Le mercredi, on n'en fait pas parce qu'elle a tir, à moins qu'elle se réveille tôt de la sieste. Là, elle se réveille assez tard. Il est quand même assez levé à 5h. Là, ça fait 20 minutes qu'elle regarde son dessin animé en prenant son goûter. Mais généralement, elle se lève un peu plus tôt. Généralement, du coup, le mardi, des fois le jeudi, mais du moins le vendredi, on en fait. Généralement, quand on en fait, j'essaie d'en faire 3. Voilà, sachant qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y en a 15. Donc voilà, en faisant 3, en gros, en 5 jours sur le mois, pas la mort, on arrive à tout faire. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Alors là, par exemple, alors, je vous avoue que là, je suis en train de vous filmer ça, je ne l'ai même pas lu encore. Donc je vais lire tranquillement. En fait, j'essaie de choisir 3 trucs assez différents. Par exemple, pas 3 trucs où il faut qu'elle écrive. Alors généralement, je lui propose aussi à Lana, c'est elle aussi qui donne son petit avis sur ce qu'elle veut faire, ce qu'elle veut pas faire, sauf à la fin quand il reste que les trucs bah, qu'elle a pas voulu faire avant. Donc voilà, je vous laisse faire pause et lire si ça vous intéresse. Sinon, je vous dirai à chaque fois les 3 qu'on a fait. Et au niveau de nos outils de travail, en plus du cahier que la maîtresse nous fournit, d'ailleurs qu'elle a fini, donc elle va nous en donner un nouveau, j'utilise ce truc-là que j'avais trouvé chez Lake Shore, qui est un magasin. Lake Shore, c'est pour toutes les mamans qui font l'école à la maison et pour les autres comme moi qui veulent juste s'équiper en matériel scolaire. Donc là, il y a les Velleda, c'est pour le. En fait, on a un tableau blanc ici, donc le matin, notamment quand on avait sa copine, elle s'amuse des fois à dessiner sur le tableau. Là, c'est tout ce qui est crayon. Alors, il faut savoir qu'ici, ils n'écrivent pas au stylo, les enfants, du moins pas au niveau de Lana. Ils écrivent tous au crayon gris. Voilà, donc c'est pour ça qu'on en a pas mal. Hein. On en a. Ah, bah celui-là, il est même pas taillé. On en a souvent aux anniversaires, à la Saint-Valentin, tout ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a aussi le taille-crayon, les ciseaux, des colle comme ça et colle stick, une règle, voilà. Là, c'est un peu le bordel, hein, je vous avoue. Derrière, nous avons les crayons de couleur qui servent notamment en fait à colorier quand elle a fini un truc, elle colorie avec les crayons de couleur. Des stocks de crayons gris. Là-dedans, nous avons les crayons gras. Ici, nous avons des gros feutres. Et là-dedans, ça c'était une boîte qui venait de chez Daiso. Daiso, c'est le magasin japonais à 1,50 $. C'est les crayons qu'on a au restaurant. Voilà, vous voyez, écrit courte paille. Généralement, c'est les crayons qu'on a au restaurant que je remets là, dont elle se sert pour faire notamment les devoirs, mais aussi des dessins.
Et là-bas derrière, d'ailleurs ça c'était l'une d'entre vous qui me l'avait offert à l'époque. Il y a un petit moment, et comme d'habitude je galère à ouvrir à une main. Hein, je ne suis pas encore vlogueuse professionnelle, faut croire, parce que je galère. Et là-dedans, je pense qu'il y a, voilà, toutes sortes de crayons de couleurs un petit peu dépareillés. Voilà quoi, c'est pour ça que j'en avais acheté, j'avais acheté une vraie boîte, parce que ça c'est pas terrible. Donc voilà, ça c'est notre matériel, et du coup on est super bien équipé pour travailler. Alors, vous remarquerez que le menu de mars est très rythmé par la Saint-Patrick. Alors, le mois dernier, c'était évidemment la Saint-Valentin. En décembre, c'était Noël. Enfin, voilà, tout est... Voilà, hein. Vous voyez, c'est très très sur le thème de la Saint-Patrick. Donc, aujourd'hui, Lana a choisi ça. Je pense que c'est juste parce qu'elle a vu le petit arc-en-ciel. Il y a écrit « Write about what you would hope to find at the end of the rainbow ». Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait trouver au pied d'un arc-en-ciel? Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est par rapport à la légende du Leprechaun. J'espère que je prononce bien, hein. Désolée les Irlandais si je prononce mal. Donc, c'est une légende irlandaise qui est pas mal ancrée ici. Et chaque année, ils font des travaux scolaires par rapport à ça. Alors, le Leprechaun, c'est lui, là. Voilà, je vous sors un exemple. Donc, c'est des petits bonshommes irlandais, hein, avec tous les stéréotypes de l'Irlande, la tenue, le trèfle à quatre feuilles et tout ça. Et la légende dit qu'en fait, c'est des cordonniers qui gardent aussi les chaudrons de pièces qu'on trouve au pied des arcs-en-ciel. Voilà, si, désolée si c'est pas exactement ça, mais c'est vrai qu'en fonction des sources et des machins, l'histoire varie. Alors, je lis Wikipédia, hein, parce que j'essaie de pas vous dire de bêtises. Le prochain passerait son temps à fabriquer des chaussures, il est cordonnier, c'est ce que je vous disais. Commettre des farces et compter ses pièces d'or. Commettre des farces et compter ses pièces d'or qu'il conserve dans un chaudron caché au pied d'un arc-en-ciel. Donc c'est lui qui cache le chaudron avec les pièces dedans. Donc voilà, mais il faut savoir que ça. Si vous savez pas, mais un arc-en-ciel n'a pas vraiment de... Enfin bref. Donc bref, c'est impossible à trouver quoi. Voilà, donc vous allez voir, normalement pendant ce mois-ci, Lana va faire plein de trucs par rapport à ça. Oui. En fait, on a appris ça à l'école, qu'elle nous a dit que Leprechaun, il prend les pièces, il met dans le chaudron. Dans le chaudron et au pied de l'arc-en-ciel. Voilà. La pauvre, ça lui demande un effort parce qu'en fait, quand elle parle comme ça, elle traduit tout ce qu'elle a appris en anglais à l'école en français. C'est pour ça que ça lui demande un petit effort en fait de concentration. Donc Lana, qu'est-ce que tu veux toi qui des est cadeaux. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait au pied de l'arc-en-ciel? Des cadeaux. Et c'est pas un sapin de Noël, hein? Donc voilà. Donc Lana, en fait, du coup, j'ai pas le cahier parce que la maîtresse, comme je vous disais là, donc du coup, elle nous avait un jour donné des feuilles en rap comme ça. Du coup, elle a fait là-dessus. Donc elle a écrit. Attends, first, avec le reflet de la lumière, on voit rien. I hope to find presents at the end of. Ah non, Anna, t'as écrit faux, c'est off. C'est O-F, pas F-O. A rainbow. Donc elle est en train de faire le petit dessin. Ah oui. Désolée pour l'ombre. Cette lumière est catastrophique dans ce salon, c'est une catastrophe. Donc voilà, donc, et après elle pourra colorier le premier devoir du jour qui est celui-ci. Et dernière petite info sur comment on fonctionne. Donc là, vous l'avez vu, en fait, Lana a recopié ce que j'ai écrit, hein, parce qu'elle ne sait pas encore écrire sans faute, hein, forcément, à la 6 ans, elle ne sait pas encore écrire avec les mots écrits correctement. Donc en fait, je lui ai écrit sur des feuilles de brouillon, voilà. Ça, c'est le truc de mon imprimante. Comme ça, on ne gaspille pas des feuilles toutes neuves. Et voilà, et là, pour pas qu'elle soit perdue, ça, c'est un exercice. Ça, ce sera le prochain, qui est celui-ci. What do you need to make a rainbow? Celui-là, il est tellement facile. Après, on va faire. Ah, tu peux faire du sport si tu veux, ouais. Et là, typiquement, normalement, là. Comme ça, on va faire tout très très vite. Comme ça, on va avoir le temps de prendre le bain et de faire quelque chose d'autre. Ok. Et là, typiquement, vous voyez, normalement, il ne faudrait pas que je la fasse écrire. C'est pas dans la partie Young Author. Je ne suis même pas censée la faire écrire, mais moi, je la fais écrire parce que je veux qu'elle écrive. Et en plus, elle, du coup, elle est contente parce qu'elle en profite pour faire des super dessins. Très bien, ma chérie. J'ai fait des fleurs au milieu. Oui, tu veux que... Je t'aime, il y a des fleurs. Mon bébé. Ok, est-ce que tu veux colorier ça d'abord ou on enchaîne d'abord? On enchaîne d'abord. On enchaîne. Alors, to make a rainbow, I need. Maman, oui? Bien sûr,
jours qu'on va coller l'arc-en-ciel avec les Oui, sur ton cahier, oui. Non, 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 on va... Alors, on va accrocher les deux parce que c'est fait ensemble. On fabrique un arc-en-ciel et il est là. Ah, tu veux pas refaire un dessin? Tu veux utiliser le même dessin? Non, non, je vais dessiner, sauf que j'en ai de coller ces deux D'accord, feuilles ok, ensemble. Ok, mais on les collera dans ton cahier d'exercice quand on aura ton nouveau cahier, ok? Donc alors, to make a rainbow, I need... T'as besoin de quoi? De la pluie. Donc comment on dit pluie en anglais? Rain and sun make a rainbow. Rain and sun. Et c'est tout. To make a rainbow, I need rain and sun. J'ai envie d'écrire. Est-ce qu'on peut écrire rain and sun makes a rainbow? Tu préfères comme ça? Ok. Donc voilà ce que donne son deuxième devoir du jour. C'était rapide, efficace. Ils pouvaient tous être rapides, efficaces comme ça. Ça m'arrangerait, je vous avoue. Donc pour ceux qui se poseraient la question, parce que je l'ai déjà vu un milliard de fois, ici, ils apprennent à écrire en script. C'est-à-dire en bâton, enfin comme ça là. Pas en cursive, donc pas en attaché. Ils apprennent plus tard. Ils apprennent vers le CM1, CM2 à l'école publique américaine. Hein, je parle peut-être que dans les écoles privées, notamment l'école française où nos copains vont, ils apprennent à écrire en attaché comme en France. Mais en tout cas, ils apprennent à écrire comme ça. Tout d'abord, ce qui fait qu'en fait, bien qu'après, ils apprennent à écrire en attaché et qu'ils le maîtrisent et qu'ils le lisent, une fois adultes, ils ne l'utilisent pas. Moi, j'ai jamais vu ici un adulte américain qui écrit en attaché. D'ailleurs, à chaque fois que moi j'écris à mes copines américaines, elles hallucinent tous. Oh, t'écris trop bien, t'écris trop bien. Je fais non, c'est juste que j'écris en attaché. Voilà, parenthèse fermée. Donc tu veux faire celui-ci. Alors, squat the number of syllables in your name. Try other name, family member names too. Ok. Et aussi mon body. Eux, ils peuvent écrire en attaché. Les buddies, c'est les... En fait, ils ont chaque enfant comme ça a un binôme d'une très grande classe. Parce que là, elle est au primaire, donc elle a un CM1 ou un CM2, je ne sais pas. Et du coup, lui ou elle, c'est une fille ou un garçon cette année que tu as en buddy? Un garçon. Il s'appelle Brock, il est très rigolo. Mais il parle pas beaucoup, mais il est comme Kira, un peu timide. Il est timide et du coup, il a écrit en attaché, c'est ça? Ok. Mais deux fois, son nom, quand on fait quelque chose tous les deux, il écrit pas son nom en attaché, il écrit normal. Moi, je l'écris. Ok, oui. Donc pour elle, c'est normal, l'écriture pas attachée. Bref, tu veux faire ça? Tu veux faire des squats? Allez. Alors, les devoirs ont été terminés. Cette demoiselle a pris une petite douche parce qu'en fait, d'habitude, elle prend des bains. Mais là, elle avait hâte de faire ça. Donc, vu qu'il était déjà, voilà, hein, 18h15, elle veut faire ça. Elle a reçu d'Alexandra, là, hier ou avant-hier, collier. Je sais plus. On peut faire un collier. C'est un diadème, c'est pour mettre là. C'est un diadème, c'est comme une couronne. Oui, mais on peut mettre sur le cou ici. Oui, si tu veux, oui. Donc bref, on va faire ça. Nico va pas tarder à rentrer et moi, après, j'irai au U-Jam. J'irai à mon sport, j'ai hâte. Même si j'ai encore un petit peu des courbatures de mes 10 km Est-ce de dimanche. Tu crois que je... C'est marrant ça. Voilà, on va faire ça. Si on finit aujourd'hui, je vous montre le résultat. Elle t'est pas trouillée, elle t'est pas. Oui, mais elle est venue t'accueillir. Bon, il est 19h-20. Dans 5 minutes, je pars au U-Jam qui commence à 19h. Nico va donc s'occuper de l'enfant. Elle est lavée, hein. T'as plus qu'à la nourrir et lui lire l'histoire et la coucher. Un chacha. Dire bonjour, chacha. Bonjour Chacha. Après bonjour Chouchou, c'est bonjour Chacha. Bon allez, je vous reprends après le You. Bon, il est 8h, je viens de revenir du U-Jam. Et alors leur rituel à eux quand je suis pas là, c'est de manger sur la table basse devant un dessin animé. Oui. Donc ça c'est How to Train a Dragon 2. Pas du tout. Ah, c'est pas ça? Non. Mais je sais pas, Lana vient de me dire que c'était ça. Ah non, c'est le gros truc blanc, j'ai jamais vu, tiens. Il va falloir que je regarde parce que j'ai jamais vu ça. Bref, je vais me faire à manger moi aussi. Donc voilà. Mais du coup, Lana, qu'elle vienne avec moi au U-Jam à la garderie ou qu'elle mange devant la télé avec son père, en gros, comme elle a dit tout à l'heure, le mardi, c'est toujours la fête. Voilà. Bon, allez, je vais me faire à manger moi.
Alors voici mon dîner ce soir, les restes de flageolets de Nico de ce week-end et du poisson pané. Voilà, j'avais trop envie de poisson pané, j'adore ça. Et voilà, et je vais manger vite fait pour après monter le vlog et voilà. Donc voilà, je vais finir de manger mes quelques framboises si ma fille ne me mange pas tout. Et puis je vais monter ce vlog parce que si je prends la douche avant, j'aurai jamais la force de monter le vlog. Donc je vais monter le vlog. Je vais prendre ma douche, ouais, il y a des petits chats, et on va se poser. Alors hier on a fini, je pourrais vous parler série aussi dans ces vlogs, bah demain je vous parlerai un peu série. Et alors je vais vous montrer les petits chats. Ouh, regardez les jolis petits chats, magnifique, hein. Bref, du coup on espère que le vlog il vous a... À deux. Et des billes. On constate qu'elle se couche à 8h30 et qu'elle a l'air vachement fatiguée. Hein. En même temps, elle s'est réveillée à 5h de la sieste. Je pense qu'elle n'est pas endormie. Bonne nuit. Bonne nuit, ma vie. T'es toute ma vie. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est un peu tôt. Bonne nuit.